In June 2013, the Sheikha Fatma Center for Breast and Ovarian Cancer in Rabat opened its doors to provide Moroccan women with the treatment needed to combat these dangerous illnesses. Ce centre Sheikha Fatma, en principe, il a la spécificité de constituer un pôle de cancérologie gynéco-mammaire. Et ça, c'est une première, dans la mesure que c'est le premier centre anti-cancer au Maroc, gynéco-mammaire, spécialisé et doté, c'est-à-dire avec l'expertise requise et qui permet donc des traitements selon les recommandations internationales. Tout ce qui est traitement, comme on le sait très bien, le traitement des cancers relève donc d'une multidisciplinarité qui réunit toutes les disciplines, à savoir la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et parfois la curéthérapie associée bien sûr à la radiothérapie. Généralement, toutes nos patientes doivent passer par ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire qui en staff, staff de multidisciplinaire discute les dossiers et recommande le meilleur traitement et le meilleur protocole pour que la patiente en bénéficie. Based at the National Institute of Oncology in Morocco's capital, the center is a state-of-the-art facility housing new treatment units that can accommodate up to 20,000 medical consultations, 650 surgeries, and 1,200 hospitalizations each year. Depuis l'ouverture de ce centre, en fait, c'est-à-dire on travaille selon généralement les normes internationales. D'abord sur le fait qu'il y a un circuit patient. This latest project is a partnership between Sheikha Fatma and the Lella Selma Foundation for the Prevention and Treatment of Cancer, alongside the Ministry of Health and Ibn Sina Hospital in Rabat. At the inauguration of the center, Princess Lella Selma praised the humanitarian work of Sheikha Fatma and presented her with an award in recognition of her efforts in fighting cancer in Morocco. Le centre Sheikha Fatma a permis aux infirmières et aux infirmiers, aux médecins aussi, d'avoir un cadre agréable. Ce cadre agréable soit organisationnel et même dans la structure des bâtiments, les tableaux, les couleurs choisies au niveau du pôle. Pour les patientes aussi, on remarque toujours qu'ils font la remarque et la différence par la comparaison avec d'autres établissements et d'autres structures. Le pôle, il est agréable à voir, tout d'abord. Agréable. Et pour l'hébergement des patientes, ils sont satisfaits dans leur chambre parce qu'ils sont munis de télévision, de tout ce qui est, de tout ce que la patiente dont elle a besoin ou dans un hébergement à l'hôpital. The center specializes in treating patients with ovary, uterus, and breast cancer, and provides training to oncologists, nurses, and other healthcare providers to help women get the treatment they need. Généralement, le nombre de patients qu'on opère, c'est en principe au niveau des deux salles opératoires, on nombre pratiquement de 6 à 8, 8 patients par jour, 8 patients par jour. Ce centre, en plus de la mission de traitement qu'il a, il a aussi une mission de formation. Et donc, pour on projette une formation et des stages à l'étranger pour être à la page des nouvelles innovations et des techniques innovantes et des nouvelles données récentes internationales. The center consists of 5 divisions. First is the central pharmacy. Le service ou le pôle de pharmacie qui est un pôle lié à l'Institut national d'oncologie et qui travaille en collaboration avec les différents services, y compris le pôle gynéco-mammaire de Sheikha Fatma. C'est un pôle qui est hospital universitaire, donc c'est-à-dire qu'il y a des activités de gestion, des activités de formation et des activités de recherche au niveau de ce pôle. On a l'unité de préparation des médicaments cytotoxiques, donc préparation des médicaments de chimiothérapie, donc qui se font au niveau de l'hôpital pour les malades, et donc à la fois pour l'hôpital du jour où l'administration se fait
de façon journalière, mais aussi pour les malades qui sont hospitalisés dans le service d'oncologie médicale ou dans d'autres services, y compris le pôle gynéco-mammaire, où se fait l'administration de ces produits-là pour les malades pour assurer leur traitement. Nous avons plusieurs catégories de malades qui arrivent pour leur prise en charge. Donc on a des malades qui sont mutualistes. On a aussi des malades, si vous voulez, indigents, qui sont pris grâce au soutien de la Fondation l'ASLMA de prévention de traitement des cancers, mais aussi l'implication aussi du pôle gynéco-mammaire qui a permis en quelque sorte aussi de faciliter l'hospitalisation et la prise en charge de ces malades. As well as a consultation unit, a colposcopy room, a unit for gynecological breast surgery, a hospitalization service, and a research unit specializing in the field of breast and uterine cancer, already deemed among the leading health centers that provide specialized treatment for gynecological breast cancer. In Morocco, access to high-quality healthcare has traditionally been available only to a select few. Many people have difficulty gaining access to the treatment they need. كيجي المريض اولا كيمشي عند المساعده الاجتماعيه كيجيب كيكون كيحتوي على عنده الرساله ديالته تحليله كتستقبل المساعده الاجتماعيه كتاخذ من عنده المعلومات كتشوف واش عنده الراميد او لا عنده لاميتوال او لا عنده لاسينيسيس هي كتقسم داك تقاد الخدمه ديالها من بعد كتصيفطوا لي انايا كيجي عندي انا كنكمل معاه كنكمل ليه الملف ديالو من بعد ملي كناخذ من عنده المعلومات كنكمل معاه انا كنعاود نردو عند المساعده الاجتماعيه ديك الساعه هي ملي كتكمل معاه المعلومات كتوجهو عند الطبيب اللي غيشوف ملي كنسجل المعلومات ديال المرضى في مركز الشيخه فاطمه جدول الكتروني باش كيبقاو المعلومات محتفظين بهم باش الا بغاهم شي طبيب ولا شي حاجه كنلقاهم بعدا موجودين المرضى اللي كيجيو مرضى السرطان كنشكروا دائما كنشكروا هاد الناس اللي سهروا على هاد المركز الشيخه فاطمه كنشكرهم بزاف بزاف يعني قالك زعما يعني تحسن احسن احسن زعما تلقاو بزاف الحوايج زعما كان سهله. Nearly 12,000 women suffer from breast cancer in Morocco each year. Un cancer de sein, un cancer de col, un cancer d'ovaire qui est en rapport avec le féminisme et l'intégrité de la femme. Tout d'abord, on a une unité de prise en charge psychologique, de soutenir les patientes. Je parle de patientes parce qu'on est toujours dans le centre chez Khafatma. Des patientes qui ont atteinte de cancer. Aussi, ça n'empêche que les médecins et les infirmiers ont toujours leur rôle dans la prise en charge psychologique de la patiente. Au niveau de la consultation, les médecins, lorsqu'ils voient leur patiente, ils essayent toujours de leur bien expliquer la maladie et les étapes de la prise en charge. Et c'est très important dans la psychologie de la femme atteinte d'un cancer qu'il sache sa prise en charge, les étapes qu'il a à subir dans l'évolution de la maladie. Et pour nous, au niveau de l'hospitalisation au centre chez Khafatma, les infirmières, ils sont toujours 24 heures sur 24 à côté des patientes. Alors, à chaque demande, à chaque nécessité, à chaque besoin, les infirmières, ils sont là. Parce que le fait qu'on n'a affecté que des infirmières, c'est dans l'approche d'améliorer la prise en charge psychologique. Parce qu'une femme, il peut mieux sentir la souffrance d'une femme. The disease is one of the leading causes of death among Moroccan women and is estimated to kill 19% of those who show signs of the cancer. فتحوني فين فتحوك؟ ها؟ فين فتحوك؟ فتحوني هنايا. هنايا في المركز شيخة فاطمة؟ أييه. هي هذيك. النوب الأولى من كنت دايجة بالدم كنت الله يشترتها اللوحة كراضي شو ولات صافات غدم ليا
بقيت كندوز غاده جايه غاده جايه تشدوني نعست ملي رسلونا فاني واللوم اللي داروا عيطوا علينا جينا دوزت ما نعرف نقول لك بنتي 3 ايام ولا 4 ايام خدموني ملي خدموني لاباس قعدت فاني ما نعرف 4 ايام ولا 5 ايام رسلوني مشيت في حالتي الحق علي قال راندي فوق ما نعرف 18 قالت في الشهر هادشي ملي وليت ست رجلت نفخت وريتها للطبيب شدني نعشت عليها ها انا باقا نعش عليها وحمدنا الله اللهم لك الحمد احنا فاني نعشين على رجلت هادي الله ما دار والاطباء كيفاش تعاملوا معاك مزيان بنتي لا الطباء لا هذوك المسخرين لا الفراملين لا عمر دارهم ايه اللي خاصاتها تجيبوها ليك اللي هذا وحمد الله بنيتي المرض عطاها الله مرحبا به ما عندنا ما نديرو والو